vous entrez dans le GDI News, ce balado dédié aux actualités dans les jeux vidéo, la technologie et l'univers geek. Salut tout le monde, je suis content de vous voir. Alors, bienvenue en ce nouvel épisode, l'épisode 59, si je ne me trompe pas, des GDI News. Et pour l'épisode de ce soir, en fait, ça va être plus tranquille pour moi. En fait, mettez-vous en mode, si vous écoutez ça en direct ou non, pas en direct sur YouTube ou sur Spotify, mettez-vous en mode relax, préparez-vous à écouter des bandes-annonces, parce que, avec des commentaires de moi, bien sûr, parce que cette semaine, il y a eu le PlayStation Showcase. Ça se veut être le genre de remplacement ou l'événement où jadis il y avait un E3 lors du mois de juin. Alors Sony nous fait une grosse conférence, nous a donné une grosse conférence virtuelle cette semaine afin de nous présenter leur prochain jeu. Et ben c'est ça. En fait, j'ai plein de vidéos de jeux qui m'ont marqué ce soir que je veux vous montrer. Tout d'abord, on va commencer par ce jeu qui est le premier jeu en 3 ans de cette franchise et je pars la vidéo à l'instant. Welcome, Hidden One. You have died and been reborn. We need to find a way to get you inside without being seen. You could bribe the guards to look the other way. I shall see what flavor best suits me. Vous avez probablement, si vous êtes fan de la franchise Assassin's Creed, reconnu Basim, un des personnages du dernier jeu de la franchise Assassin's Creed Valhalla. Is yours, Basim. We will be watching. Alors, il s'agit de Assassin's Creed Mirage, le prochain jeu dans la franchise Assassin's Creed qui nous a été présenté cette semaine lors du PlayStation Showcase. Alors, ce jeu se veut être un retour aux sources parce que si vous avez bien remarqué, le jeu se passe au Moyen-Orient, à Bagdad. En fait, je ne sais pas si ça s'appelait Bagdad dans le temps, mais ça se passe dans la capitale d'Irak, qui se voulait être, je crois, la Perse ou la Mésopotamie à l'époque. Et Basim, qu'on incarne dans le jeu, en fait, est un des personnages, comme je l'ai dit plus tôt, qui conseille Eivor dans Assassin's Creed Valhalla. Alors, je dis que c'est un retour aux sources parce que le premier Assassin's Creed se passait en Terre Sainte, là, donc dans le Jérusalem, Damas, et j'oublie l'autre ville, en fait, dans ce coin-là du globe, au Proche-Orient. Mais là, on se trouve au Moyen-Orient, dans Assassin's Creed Valhalla. Ce jeu se veut être une version plus petite
que les Assassin's Creed précédents. Je vous rappelle que Assassin's Creed Valhalla, c'est un monstre en termes d'heures à jouer et en contenu. Alors, ce jeu se veut être plus petit en nombre d'heures. Et moi, je dis tant mieux, parce que, je vous le dis, Valhalla, je ne l'ai pas fini, il est trop gros. Le contenu est un peu plate à la longue, répétitif. Les quêtes secondaires ne sont pas très engageantes. Et ben c'est ça. Donc, j'ai quand même des bons bon espoir que Assassin's Creed Mirage sera un succès. Alors, on va voir ça lorsque le jeu va sortir. Et le jeu, si je me rappelle bien, de la date qui a été mise dans la vidéo qu'on vient de voir, c'est le 12 octobre cette année que le jeu sera disponible. Alors, vous allez avoir un Assassin's Creed cet automne. Sinon, un autre jeu qui s'en vient cette année, puis là, on parle encore une fois d'une grosse franchise, c'est le jeu suivant. The blind march is on. These people live with a knife to their throat. You have to believe us. We'd help you if we could. But you're helping us already. We never asked to be saved. Did you think we'd thank you? They'll never forgive us. We're all marked now. Every time you show your faces, it is we who suffer. I saw Chaff. You'd better hope so. Crystals take more than they give. You mean to tell me that the mother crystals are the reason the world is dying? To hell with talking. If they won't give us a say, we'll decide our fates another way. Are you with me? You will pay for what you've done! Why aren't you dead? You are the bottom branded! Tell me true. Do you believe what I'm about to do is wrong? I was forced to kill. You do it by choice. They don't believe in me. They believe in the power of the dominant. You can't blame a man for wanting to bring an end to all this, can you? Ever led astray by your blind resolve. And thus is the light of hope severed. We don't need your salvation. We'll save ourselves. And we'll do it on our own terms. Come to me, Ifrit! Who are we? What are the dominants? We are but mighty acts of God. Enough of this! I use my talents to my advantage, and you would tell me there is shame in that? We shared a dream! I would be the king of the world! The darkness has taken hold of you. It has made you forget yourself. I don't want to be a monster, Clive. I have to stop him! I have to save them! I made a promise to my friends, and it is they who will give me the strength to end your reign. Your efforts will avail us naught. We fight, we survive, we endure. We don't need a reason. Alors, Final Fantasy XVI s'en vient cette année, en fait, bientôt, dans un mois, un peu moins d'un mois, donc le 22 juin 2023. Alors, fans de Final Fantasy, vous allez être servis avec le dernier opus de cette franchise qui semble beaucoup s'inspirer du moins de l'engin, du visuel du dernier. Donc, Final Fantasy XV, Ifrit et compagnie, là, les écons, là, les légendes de Dieu, ben, ça semble être pris presque tel quel de Final Fantasy XV avec certains ajustements et ils reviennent dans ce jeu. Donc, je vais y jouer éventuellement, ça a l'air intéressant. Et ce jeu va initialement être une exclusivité PS5, mais je ne serais pas surpris que dans l'année, les années qui suivent, ou peut-être même les 6 mois qui suivent, on ne le sait pas, le jeu sera disponible sur d'autres plateformes, parce que moi, je n'ai pas de PS5 et je ne compte pas en acheter une pour l'instant.
Sinon, continuons la valse de bande-annonce. Je vous avertis, ce soir, le GDI News en est plein. Je vous montre une bande-annonce d'une remasterisation d'un jeu qui existait il y a au moins 25-30 ans. Vous avez bien vu Xbox au début, hein? C'est parce que ce jeu-là, il est pas seulement sur la PlayStation. Alors, le jeu s'appelle Marathon. Il est développé par les créateurs de la série de jeux initiale Halo, donc le studio Bungie. Et c'est un jeu qui se veut être un reboot, une réinitialisation de Marathon qui est sorti, je pense, dans les années 80, fin années 80-90. C'était un first-person shooter, un jeu de tir où, selon les recherches que j'ai faites, on pouvait, c'était innovateur dans le temps, on pouvait jouer en multijoueur jusqu'à 8 personnes et avec d'autres personnes via des serveurs. Et ça semblait intéressant. Et je vous le dis, le jeu visuellement me semble beau. Et en même temps, Bungie a un bon historique depuis la première sortie de Marathon il y a 25-30 ans, avec tous les jeux qu'ils ont fait, les Halo, Destiny et ainsi de suite. Alors, ça s'annonce bien pour Marathon. Sinon, si on reste dans les shooters, j'ai ce jeu à vous montrer qui a aussi fait partie du PlayStation Showcase. The Square Enix, encore une fois. C'est leur deuxième parution ce soir dans le GDI News. Ce serait beau que ce soit du gameplay, hein? Mais malheureusement, je pense pas que ça en est ici. Ah, ben voilà du gameplay! Est-ce que ça vous rappelle un certain Splatoon, mais sous un autre style? The Foam Star Party?
Alors, le jeu s'appelle Foam Stars. Il n'y a pas de date d'annoncer. Vous avez vu, il y avait le logo PS4. Donc, le jeu sera également disponible sur l'ancienne génération. Et ça se veut être un espèce de mélange de Persona 5 côté look. C'est très beau visuellement, très flashy, avec du Splatoon. Donc, le but, c'est de recouvrir l'arène de foam et le plus possible afin de donner la victoire à son équipe, avec des personnages qui se veulent être un peu d'une inspiration de Overwatch avec leurs habilités, leurs aspects très caricaturaux et uniques. Alors, ça semble être bon aussi. Tous ces jeux-là que je vous montre sont très prometteurs. Reste à voir s'ils vont arriver à la date de livraison et répondront à leurs promesses. Alors, voilà. Là, sinon, on va aller dans les jeux un petit peu plus indépendants parce que j'en ai un que je veux vous montrer. Déjà, l'esthétique vient me chercher. C'est triste comme bande-annonce. Je vous rappelle qu'on ne voit pas de gameplay encore, ce qui est souvent le cas pour plein de bandes-annonces. On ne voit pas de séquences de jouabilité dans l'engin et ainsi de suite. Mais bon, souvent les jeux indie, c'est pour mettre le mood, ou n'importe quel jeu, c'est pour mettre l'ambiance en place avant de montrer plus de choses, dont de la jouabilité. Donc 2024, c'est assez loin, alors ça a le temps de changer. C'est souvent ça que ça veut dire dans le jeu vidéo. Sinon, un autre jeu dans le domaine indie, vous allez, je pense, aimer ça. Alors regardons ce qui suit. Ça, c'est du gameplay. On dirait un mélange de Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn. Et ouais, ça a l'air bien. Alors, ça s'en vient pour 2024. Sinon, là, je vais aller un petit peu plus vite, sans trop de pause entre les jeux. On a eu un remake, une remasterisation d'un nouveau jeu, d'un jeu existant dans le passé cette semaine. Je vous le montre. Ça vient de Konami, comme vous pouvez voir en haut à droite.
Ça va de pire en pire à ce qu'on voit? On a vu des serpents, et là on se retrouve face à face avec Snake. Le fameux Snake. Alors, il s'agit de Metal Gear Solid Snake Eater. Là, je parle par-dessus la musique parce que c'est clairement pas libéré de droit. Puis, de toute manière, YouTube va me couper tout ça quand je vais le mettre parce que ben justement, il y a plein de bandes annonces et les compagnies aiment pas qu'on fasse de la pub pour leur jeu sur YouTube. Alors, voilà. Donc c'est ça, mais sinon le gros de l'annonce en termes de jeux vidéo, c'est celui-ci, c'était à la toute fin du showcase. Alors, fan de super-héros, vous voyez le logo de Marvel? Vous êtes excité? Il l'a lancé d'un seul bras. Il doit être fort, lui. La grande chasse en zone urbaine, est-ce que je comprends? Bon, ça c'est plus une mise en bouche, là, c'est pas. Y a pas de gameplay. Mais par contre, là, je le montrerai pas ici parce qu'on doit avancer. Mais il y a eu une énorme séquence de gameplay à la fin du PlayStation Showcase sur ce jeu, Spider-Man 2, qui a l'air bon. Alors, je vous invite à aller le voir sur YouTube ou autre endroit pour avoir la séquence complète de jouabilité de ce jeu. Mais sinon, Sony nous a fait une autre annonce et c'était juste avant l'annonce de Spider-Man 2 et la voici. Thank you for joining us today. Before we get into our final game, I have a few announcements to share. At PlayStation, innovation is our passion. And that applies to not just what games you play, but how you play them. Later this year, we will launch a dedicated device that enables you to stream any game from your PS5 console using remote play over Wi-Fi. Internally known as Project Q, it has an 8-inch HD screen and all of the buttons and features of the DualSense wireless controller. Bon, je vous avertis, ce qu'on voit en ce moment, je suis très sceptique. Je vous en parle après, là. Mais bon, il faut que j'avance dans le GDI News, donc je vais aller plus vite.
Là, évidemment, cet appareil-là vient avec... puis ça, je pense que c'est pas nécessaire d'avoir l'appareil, mais des espèces de earbuds, des bons écouteurs avec isolation de son. Alors, ça vient avec soit ça ou la PS5 de base. Alors, voilà. Donc, c'est principalement ce que je voulais vous montrer à la fin de ce segment sur le PlayStation Showcase. Moi, personnellement, le truc que vous venez de voir, ça s'appelle Project Q. C'est une espèce d'appareil, un peu comme une tablette sur laquelle vous pouvez brancher deux extrémités d'une manette DualShock spécifique pour cet appareil. Alors, ça vous permet de jouer, de streamer, en fait, de diffuser, d'envoyer le flux ce que votre PS5 exécute sur cet écran, mais dans le même réseau via Wi-Fi, en fait. Présumément, si vous voulez aller, vous n'avez pas accès à la télévision, que vous allez aux toilettes ou vous êtes ailleurs dans votre domicile, eh bien, vous pourriez utiliser ça. Mais moi, je trouve ça étrange comme annonce. La Wii U, c'était exactement la même chose avec sa manette et ça n'a pas fonctionné. PlayStation n'a pas un bon historique côté console portable. Je pense à la Vita qui est un flop, leur dernière tentative là-dedans. En même temps, ça va un peu à l'encontre de la... De la tendance actuelle où les joueurs et joueuses peuvent jouer dans le cloud avec, par exemple, xCloud de Microsoft, PS Now, notamment un bel exemple côté de Sony. Je ne serais pas surpris que cette PlayStation Now, qui vient maintenant dans le forfait de PlayStation Plus, soit compatible sur cet appareil. Mais bon, je pense pas que la... Personnellement, je ne pense pas que ça va fonctionner, le fait de streamer le contenu d'une PS5 sur un appareil qu'il faut acheter à part. Ce n'est pas un téléphone cellulaire, l'appareil que les gens ont déjà. Et souvent, les gens qui sont sur leur bol de toilette pour faire leurs besoins ou qui font autre chose, ils sont sur leur téléphone, ils font déjà quelque chose d'autre. Moi, je suis assez sceptique là-dessus, mais on va voir. Est-ce qu'ils vont nous surprendre avec quelque chose? Sony a dit qu'ils vont nous révéler plus sur Project Q éventuellement. Mais bon, on va leur laisser une chance. Mais honnêtement, avec ce qu'ils nous ont dit, je suis sceptique à ce niveau. Donc là, il nous reste pas grand temps. On a fait 29 minutes sur le PlayStation Showcase. Mais j'ai le temps de vous parler rapidement de deux sujets pour conclure le GDI News. Le premier, et ça c'est un retour à ce que je vous avais dit dans le passé, que Netflix voulait mettre fin au partage de comptes et de partage de mots de passe entre personnes qui utilisent le service. Et il y a des nouveautés qui ont paru cette semaine là-dessus. Alors, le plan de Netflix se met à exécution en fait. Donc maintenant, ça commence aux États-Unis d'ailleurs. Et ailleurs. À partir de maintenant, Netflix a changé, a mis les options pour leurs différents plans d'abonnement en fonction de combien de gens avec qui vous pouvez partager vos mots de passe et combien ça va coûter. Donc, aux États-Unis, puis là, il faut faire la transition en canadien, là, la conversion, en fait. Alors, si vous avez le plan standard de Netflix, tout d'abord, je vais aller dans les fonctionnalités. Donc, si vous avez le plan de base avec publicité, vous ne pouvez pas partager votre compte avec quelqu'un d'autre. Même chose si vous avez le plan de base avec publicité. Par contre, si vous avez le plan standard de Netflix ou le plan premium, vous pouvez partager vos mots de passe jusqu'à une personne supplémentaire pour le plan standard et jusqu'à deux pour le plan premium. Toutefois, il faut savoir qu'un partage coûte de l'argent et ça ne vient pas de base avec le plan standard et premium. Il faut payer davantage pour ça. Le prix, et ça c'est aux États-Unis, il s'agit de...
7,99$ de plus par mois par usager. Alors, ça fait en sorte que si le plan standard aux États-Unis qui coûte... premium et standard, je crois que... Ben justement, il faut payer en supplémentaire. Ça ne vient pas avec ça. Excusez-moi, j'avais un doute sur ce que je venais de dire. Je voulais le rectifier. Mais c'est ça. Donc, ça va vous coûter de plus par mois si vous voulez partager votre compte avec quelqu'un. C'est ça. Donc, voilà le prix que ça va coûter. Est-ce que vous allez continuer à partager vos mots de passe sans partager votre compte ou payer un montant supplémentaire? Qu'est-ce que Netflix va faire pour s'assurer que vous ne pouvez pas le faire si vous refusez de payer et que vous voulez partager votre compte? Je pense qu'il va y avoir une certaine vérification au niveau des adresses IP, une demande du mot de passe si ce n'est pas sous la même adresse IP, par exemple. Alors, c'est ça. Donc, on va voir, je vais regarder, voir qu'est-ce qui est rapporté pour les gens qui refusent de payer, qui veulent continuer d'utiliser leur compte. C'est quoi le truc que Netflix va faire pour empêcher ça? Mais bon, en même temps, si vous n'aimez pas ça, ben il y a d'autres services à côté. Je pense à Disney+, Amazon et ainsi de suite. Amazon Prime, je pense que c'était Apple TV où il n'y a pas cette restriction-là. Mais bon, moi, je ne serais pas surpris, honnêtement, que ça arrive parce que ces compagnies-là veulent plus d'argent. Et d'ailleurs, c'est un des arguments que Netflix communique dans sa communication officielle là-dessus. Ils disent qu'il y a 100 millions dans le monde aujourd'hui. Il y aurait 100 millions de maisons, de household en anglais, qui partagent des comptes, ce qui est, ça c'est des revenus de moins, considérables de moins à Netflix, et selon eux, ça impacte leur habilité d'investir dans des grandes séries télé et des films. Donc ça c'est leur mot. Donc c'est ça. Donc voilà, donc je ne sais pas si ça vous impacte de votre côté, moi je sais que ma soeur partage son compte avec ma mère, alors... Je vais regarder qu'est-ce qu'il en est dans ma famille. Donc, voilà. Parlant de montant additionnel, il y a une compagnie cette semaine qui s'est faite imposer un montant additionnel faramineux à payer, une amende pour être plus exact. Il s'agit de Meta. Parce que Meta a enfreint, après une poursuite et une analyse des autorités de l'Union européenne, Meta a été reconnu coupable d'avoir enfreint les règles européennes sur la protection des données. Alors, cette règle en question, c'est que il est interdit d'héberger sans le consentement des utilisateurs, je crois, des données personnelles de citoyens européens à l'extérieur du territoire de l'Union européenne. Alors, dans ce cas-ci, c'est que Meta, via son réseau social Facebook, stocke les données personnelles de ses usagers européens sur des serveurs américains. Et ça contrevient au RGPD, là, donc les règles européennes sur la protection des données. Et le montant de l'amende se chiffre à 1,2 milliard d'euros. C'est l'équivalent de 2% du chiffre d'affaires de Meta lors de l'année 2022. Et Meta compte faire appel de cette décision parce que eux, là, ils se défendent pour dire ben ça brise l'Internet, cette loi et tout. Et ils se défendent avec leurs arguments de leur côté. Et Meta s'est fait ordonner de suspendre tout transfert de données personnelles vers les États-Unis dans les 5 mois suivant la décision qui a été rendue et doit être conforme dans 6 mois, alors avec les règles européennes sur la protection des données. Et c'est intéressant de voir pourquoi c'est le cas, pourquoi c'est interdit, parce qu'il y avait une entente entre l'Union européenne et les États-Unis pour permettre l'hébergement des données
des données européennes sur des serveurs américains. Du côté des États-Unis, on appelait ça le Privacy Shield, donc le bouclier on va dire, du respect de la vie privée et des informations privées. Mais les autorités européennes, en 2020, et ça on recule d'ici il y a 3 ans, il y a une cour européenne qui a décidé que le Privacy Shield en question ne répondait pas aux exigences européennes de protection des données, ce qui a fait en sorte que l'espèce de pont législatif qui permettait aux données des citoyens européens d'être hébergées aux États-Unis en respect du règlement de la protection des données, ce pont-là n'est pas valide et ça invalide, ça fait en sorte que les données aux États-Unis sont en contradiction avec le RGPD. Et ça fait en sorte que il y a beaucoup de compagnies, je pense, qui sont en danger avec ça. Parce que, tu sais, les données personnelles, c'est assez vague. Hein? Ça peut aller du nom civil des joueurs, leurs informations de carte de crédit, leur adresse, leurs coordonnées. Alors, toute compagnie qui fait affaire en Europe et qui a donc des clients européens et qui stocke ces données personnelles sur des serveurs à l'extérieur de l'Union européenne, aux États-Unis, au Canada. En fait, aux États-Unis, je ne sais pas pour le Canada s'il y a une entente entre le Canada et l'Union européenne, mais du moins aux États-Unis, donc ce qui est non négligeable, est sujette à des amendes et à des changements nécessaires pour éviter de payer des amendes de plus. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que les États-Unis vont... Il va y avoir des négociations politiques afin de s'assurer que... Ben, parce que c'est tellement énorme comme conséquence que ça peut faire. Si l'Union européenne et les États-Unis ne peuvent s'entendre sur des règles de protection des données privées. Donc, c'est ça. Je pense que ça peut être majeur. En fait, c'est probablement un signal que l'Union européenne envoie avec cette grosse amende à Meta. Et reste à voir si ça va faire des petits cette particularité de la gestion des données privées. Alors, voilà. Donc, ça conclut le GDI News de cette semaine. Je n'irai pas plus loin que ça parce que, j'ai hâte de jouer à Zelda, Tears of the Kingdom, et on arrive à 40 minutes, 39 minutes, 40 minutes de contenu. Alors, c'est parfait pour moi et pour le format de cette émission. Alors, restez là si vous écoutez ça en direct, parce que je vais jouer à un jeu après, donc Tears of the Kingdom, comme je viens de le dire. Sinon, pour les autres qui écoutaient ça sur YouTube, Spotify ou en rediffusion sur Twitch, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode, ou sinon lundi lors de mon prochain stream, qui sait. Alors, on se laisse là-dessus, on fait la transition et on se voit dans 1 à 2 minutes. Terminus du GDI News. N'oubliez pas vos effets personnels ainsi que tous vos nouveaux bagages de connaissances suite à cette émission.